Ouais, TK, on sait pas s'offrir quoi comme cadeau. Bah franchement, le seul cadeau que vous pouvez m'offrir, franchement, pour mes 34 ans, c'est un petit pouce bleu. En ça. Du coup, c'est parti. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Jawed. Joyeux anniversaire. Allez, j'en souffle une. Et l'autre, c'est pour vous. Ah bah non, ça va, vous êtes pas là. Oh, ah putain, je me suis renversé de la cire. Ah putain, ça tue. Bref, yo tout le monde, yo les gens, salut à tous. Assalamu alaikum à tous mes frères et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Déjà une vidéo pour commencer pour vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui m'ont souhaité joyeux anniversaire. Même pour les gens qui ont oublié. Je vais pas faire le mec qui a souhaité l'anniversaire à tout le monde. Hein. Moi aussi, ça m'est arrivé de pas vraiment souhaiter anniversaire, par oubli, etc., etc. Et puis voilà. Mais en tout cas, mille merci aux personnes qui m'ont souhaité et les personnes qui m'ont pas souhaité par oubli ou je ne sais quoi pour X raisons. C'est pas grave. Vous avez tout le mois d'août. Un anniversaire, c'est comme le nouvelle année. T'as tout le mois pour le souhaiter. D'accord. En tout cas, les gars, je voulais vous parler de quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. En sachant qu'aujourd'hui, j'ai mes 34 ans avec tous mes cheveux. Oh non, avec tous mes cheveux et aucun cheveu blanc. Je tenais vraiment à vous dire quelque chose, c'est que cette année, cet âge supplémentaire que j'ai pris, pour moi, c'est un nouveau départ. Un nouveau départ du sens où je reviens un peu sur ma vie privée, sur mon passé. Ça va être un nouvel air, une nouvelle reconstruction, un nouveau départ, un nouvel air, comme j'ai pu le dire à quelques instants. Par rapport à quoi? Par rapport à plusieurs choses. Déjà, la première, c'est que je vais finir ici mon année à Paris dans cet appartement. Après, je vais prendre une décision. D'accord, une décision, savoir si je reste sur un appartement tout heure en soir à Paris ou soit une maison dans le secteur, dans la région parisienne. Ça sera mes projets. Donc, j'ai encore un an pour réfléchir et prendre une décision. Et en ce qui me concerne, bien sûr, il faudra que je me bâtisse, il faudra que je me reconstruise encore par rapport à ma vie privée, avoir mon indépendance, comme j'ai pu le dire, soit une FAQ, le prochain appartement ou la prochaine maison que je vais me prendre à tout seul, ça sera sans Kili. Ça, tout le monde le sait. Et je suis arrivé à un point, aujourd'hui j'ai 34 ans et pour moi, il est temps déjà de prendre soin de moi, de penser à moi, d'avoir mon intimité personnelle pour la première fois. De pouvoir prendre un appartement tout seul sans que personne m'accompagne. C'est ce qu'on appelle une vie privée, une indépendance totale. Et puis voilà. J'estime, comme j'ai pu le dire dans la FAQ, j'estime que j'ai fait beaucoup pour les autres. Et arrivé à 34 ans, tu te dis, c'est bon. Tu vois, à ton tour, Jawed, un peu. À ton tour, est-ce que je peux dire ou pas? Donc, il faudra que je pense un minimum à moi. D'accord? En tout cas, si je vous fais cette vidéo, c'est pour vous dire, c'est pardonner. Vraiment. Je suis pas quelqu'un qui a de l'orgueil. L'orgueil, c'est quelque chose de très mauvais. L'orgueil, je l'utilise pour des choses très importantes dans la vie. Mais pour des choses comme ça, entre vous et moi, j'en vois pas trop l'intérêt. Je pense où tout ce qui s'est passé dans ma vie privée par rapport à mon ex, pour toutes les personnes qui m'ont insulté, sachez que tout ce qui s'est passé dans ma vie, ça a été ultra bénéfique pour moi. Ultra bénéfique du sens où ça a pu que me renforcer. Comme je peux le dire sans mes lives, aujourd'hui, il n'y a rien d'autre qui peut me faire plus mal que ce que j'ai subi. La chose qui pourrait aujourd'hui me faire plus mal que le harcèlement que j'ai reçu, c'est une mort. Une mort d'un proche, de la famille, d'un meilleur ami, d'un pote, ça fait mal. Mais en dehors de ça, il n'y a rien. En gros, tout ça pour faire comprendre ce que j'ai subi, ça a été pour moi un renforcement total intérieurement. Je vois les choses autrement. Est-ce que tu vois? J'ai la vision des choses un peu autrement. Je sais que voilà, maintenant on sait sur qui compter, sur pas qui compter, etc. Donc voilà, par rapport à tout ça. Alors qu'avant, j'étais pas comme ça. Avant, j'étais vraiment naïf. Mais tout ça a fait que j'ouvre les yeux sur certaines choses, etc., que je savais pas. Et puis voilà. Donc quoi qu'il arrive, quoi qu'il s'est passé entre nous, la tête de ma mère, et c'est vraiment sincère ce que je vous le dis, je vous le jure, de ce que j'ai de plus cher, c'est vraiment pardonner, d'accord? Maintenant, comme j'ai pu le dire au début de la vidéo, ça sera à mon tour maintenant de me construire un avenir, peut-être, j'ai bien dit peut-être, de me trouver aussi quelqu'un dans ma vie à qui je pourrais partager ma vie, à qui je pourrais donner des choses dans ma vie, etc., etc., faire découvrir ce que j'aime, etc., etc., puis voilà, en tout cas, me construire, et puis voilà, et commencer un nouveau départ, d'accord? En tout cas, voilà, c'était juste un petit message pour vous faire part de cela. Les vidéos qui vont suivre, ah oui, une petite précision, les commentaires par rapport à Fortnite, je sais que je les vois, je suis pas aveugle, hein, je les vois. Il y a des top commentaires qui ont ramassé des 3000 pouces bleus du sens ouais, c'est que du Fortnite, c'est un peu chiant, TK, change un peu, etc., etc. Toujours JP. Ça, vous avez raison, ça, je vais changer. Je vais vous faire des petits mini vlogs comme je l'avais promis auparavant. La dégustation, d'accord. Et si je peux me permettre, pas tous les jours, un petit week-end sur deux, un petit conseil de grand frère qui j'espère, vous fera plaisir. D'accord? En tout cas, voilà, 34 ans et on est toujours ici. On est toujours là, on est toujours présent. On a voulu, si je peux me permettre d'en parler, on a voulu ma chute, on a voulu m'enfoncer au plus bas. Et aujourd'hui, franchement, j'en ressors vraiment plus fort. Mais vraiment, quand je vous dis j'en ressors vraiment plus fort, c'est que il y a eu du temps pour que j'en ressorte plus fort. Moi aussi, il y a un moment donné, j'ai eu des moments de faiblesse et les moments de faiblesse, justement, j'ai su les surmonter. J'ai su les surmonter, pas tout seul, hein, grâce aux encouragements. Allez, TK, lâche pas, on est là, on est derrière. Il y a beaucoup de gens qui veulent ta chute, prouve-leur le contraire, etc. Et chose que j'ai réussi à faire à l'heure d'aujourd'hui. En tout cas, voilà, sachez que tout ce que j'ai pu faire dans ma vie par rapport à mon ex et tout ça, c'est des choses, encore une fois, que je ne regrette pas parce que ça a été des choix personnels. C'est pas comme si on m'avait mis un couteau sous la gorge ou un truc comme ça. Mais voilà.
jour-là, ça a été pour moi quelque chose que j'ai vécu, que je ne regrette pas. Je ne regrette pas d'être sorti avec elle parce que, comme j'ai pu le dire, c'est un choix. Mais j'en ressors avec beaucoup d'expérience, avec une perception des choses, une vision de la vie différente que j'avais auparavant. En tout cas, voilà, c'était juste pour vous dire ça. Rien de plus, rien de moins. Et puis voilà, comme j'ai pu le dire en début de vidéo, si vous voulez me remercier avec un... Enfin, si vous voulez me souhaiter joyeux anniversaire, me récompenser avec un petit cadeau, le plus beau cadeau que vous pouvez me faire, c'est un petit pouce bleu. Et puis voilà. Sachez qu'encore une fois, avant de finir la vidéo, je vous pardonne tous toutes les personnes qui ont été mal intentionnées envers moi, qui ont dit beaucoup de méchanceté envers moi, qui ont dit beaucoup de bêtises envers moi. Sachez que sur la tête de ma mère, que vous êtes vraiment pardonné. Voilà. En tout cas, voilà. Merci aussi aux modérateurs qui ont été présents sur mes 24 heures de live. On a vraiment passé un bon moment. Merci à vous. Je vous remercierai jamais assez. Merci de votre confiance. Merci d'avoir modéré le chat. Alors, sachant que vous n'étiez pas obligé, mais voilà, vous étiez là pour moi et je vous remercierai jamais assez. En tout cas, les Rey, je vous laisse sur cette fin. Prenez soin de vous et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo et un nouvel live. Sur les Rey, je vous laisse sur cette fin.